Eh ben salut. D'abord, commence d'emblée sur Ranks, tranquillement. Je vous avais dit qu'il allait y avoir du gameplay. Eh ben c'est le moment. Bon, je rappelle une petite règle. En gros, on a des cartes, nous devons faire des choix et il faut réussir à stabiliser les quatre pouvoirs en haut. Voilà, pas trop haut, pas trop bas. Si, voulez-vous jouer au nain rouge? Commençons. Ouais, en gros, ça c'est un petit jeu. Oui, allez, on est fou. Hop, et j'ai perdu. Non, je sais pas, nous. Oh, on va jouer avec le chien. Voulez-vous épouser la jeune princesse d'un royaume voisin? Oui. Monseigneur, votre armée a une piètre hygiène. Voilà. Allez, hop, un peu d'argent. À l'aide, la grange commune est en feu, on a besoin de la garnison. Bah oui. Il y a trop de condamnés à mort, j'ai besoin de l'aide de l'armée. Non. Ça va vite, hein? Ah, t'es impressionné? Je suis à 7 ans de pouvoir déjà. Mon record, je crois que c'est 79, un truc comme ça, c'est hyper chaud. Les habitants d'un village de l'ouest ont peur des gobelins qui doivent s'en charger. Bah, vous, tiens. Hop. Vos paysans se reproduisent comme des lapins, la misère est partout, mais nous avons la solution. Oui. Ok. En voyant en croisade tous les hommes en âge de manier les armes qui meurent pour le Saint Graal. Non, c'est quoi? J'arrive pas. C'est galère ça. Si vous étiez un animal, qu'est-ce que ce serait? Un lion? Non. Alors là, faut dire une gazelle. Parce que lui, c'est un gros débile, il va l'envoyer dans la rue. Nous devrions commencer avec Lorient. La guilde est prête à offrir 10% des profits de la couronne. À la couronne. Hop, nickel. Ah, tu vois, voilà, il a mis une gazelle, ce gros blédard. Non. Faut que je perde un peu de popularité avec le peuple. T'es venu pour donner plus de. Non. Je vais donner un fils comme il est de mon devoir. Enfin, un héritier. Je voulais un héritier. Gros bâtard. La reine du Sud vous offre 40 limes. Nous devrions construire une bibliothèque. Non. 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 Mes hommes, votre Altesse, je souhaite écrire une pièce pour vous. J'ai peut-être une idée. Qu'est-ce que c'est? Pas aujourd'hui. Allez, pas aujourd'hui. Vous devriez avoir une aventure avec Dame Charlotte. Les sondages sont unanimes. Oui. Monseigneur, tant que nous ne nous embrassons pas, je peux faire ce que vous voulez. Oui. Voilà, nickel. Comme ça, le peuple, c'est dans la poche. Pouvoir. Oh merde, l'église baisse. Réaliser le rêve. Non, non, faut que j'aille vite là. Non. Ici riche. Merde! Votre pays c'est riche. On a commencé une fête d'enfer avec la nourriture la plus chère possible. Vous mourrez dans votre lit suite à une embarrassante crise cardiaque. Une embarrassante. Une embarrassante. Putain, le mec il a bouffé. Oh là là. Bon, bah, on a tenu 20 ans. C'est pas terrible. Ouais, donc vous voyez, j'ai tenu 71. Et 3 fois 61. Hop, on continue une petite partie tranquillement. Sortir avec le pigeon. Ça y est, un pote il m'a expliqué comment faire. Entendez parler de la conspiration. Perdre un bras. Eh bien. Oh, j'ai toujours le commerce de la soie. Attaquons le royaume du Sud. Le royaume est en paix et l'économie est florissante. Vous devriez garder de l'argent de côté pour les jours difficiles. Non. J'ai besoin. Lui, c'est un enfoiré, lui. C'est comme Vénec dans Kaamelott. J'ai besoin d'une petite armée privée pour faire un étonnant. La moisson est excellente cette année. Non, c'est l'armée, tiens. Longue vie au roi! Merci. Je vais prier pour la prospérité de votre majesté. Non, non, ça va, je me sens bien. Les vikings attaquent. Attaquer, ouais, parce qu'il faut que je perde un peu d'argent. Le message dit, il paraît qu'un dragon est en train de faire... Non, je n'en crois pas un mot. Nous pouvons organiser votre mariage avec la princesse du Nord. Cela arrêtera la guerre. Oui. Allez, allez, la grange commune est en fond. Faut que je perde de l'argent, là, vite, vite, vite.
Faut que je perde de l'argent. Allez, faut que je perde de l'argent. Ça, c'est difficile à dire. Des crampes d'estomac. Bah voilà, le peuple est en train de mourir. Une crise au sein de l'église, nous devons réformer la religion. Oh, mais c'est quoi cette partie pourrie? Pape est prêt à payer le prix. Non. Oh là là, mais je vais mourir. Général, faut aller, blaireau. J'ai perdu. Vous prenez la tête des quelques soldats encore fidèles à la couronne et montez sur les marches du trône. Mourez. 20 ans, 19 ans, c'est pas terrible. Là, je suis le roi Georges. Oh, ça, là, ça. Je vous le dis. Ah, mais c'est chiant en fait le commerce là. Nous aurions inauguré un pèlerinage sur la tombe de Saint-Armand. Oh, monsieur. Le bonheur est-il. De votre peuple est-il un but raisonnable? Une aspiration plutôt. Après un tremblement de terre, vous trouvez une grande partie de la population qui garde à temps vos ailes. Empêcher le pillage. Oh la vache, ça descend quand même. Je vois des milliers de bateaux chargés d'hommes grands et forts. Général, chacun ses fantasmes. Voulez-vous épouser la jeune princesse d'un royaume voisin? Là, faut répondre oui. Nous devrions systématiquement accuser les migrants iliens de tout ce qui ne va pas dans le royaume. Non, allez, les salauds. J'ai entendu des bruits inquiétants dans le château une nuit dernière. Renforcez la garde. Hop, oui. C'est temps déjà. Des mélodies. Oh, putain. Mes mélodies ne vous plaisent pas, je le vois bien. Je m'en vais pour l'ouest, ils ont meilleur goût. Bon débarras. Vendez les œuvres du ménestral, il n'y aura plus de musique dans tout le royaume. Ah mince. J'ai viré le ménestral. L'estuaire de la rivière Coute est un dangereux marais pour les voyageurs. Il faudrait assainir toute la région. Ouais, j'ai de l'argent à dépenser. Je voudrais orner la basilique d'une fresque grandiose, évoquant avec force et élégance vos vertus royales. Normal. Ça m'étonne pas. Le pèlerinage de Saint-Armand attire des milliers de personnes. Est-ce que nous pouvons le monétiser? Non. Hé 11 ans. Reine le Laurentier a été aimé du peuple. De l'armée, de plus de pouvoir. Ok. Lui, en gros, c'est un prophète bizarre. Je vais montrer la voie de la sagesse à tes marchands. Sois mon témoin. Non. Ah non, non, ça va mécontent, mais avec votre argent. Génial. Nous avons trouvé de l'or dans les mines. Devons-nous continuer à creuser plus profond? Oui. Je sais que vous êtes un ignare complet en économie, mais pourriez-vous faire un discours inspiré devant les marchands? Oh, ça va, hein? Puis le pigeon aurait. Regardez sous le trône. Trois messages de détritus. Beaucoup de détritus, mais pas de messages. Génial. Oui. Mon roi, je voudrais vous chanter une chanson qui s'appelle Le Fou et Sa Majesté. J'ai pas le temps. La guilde des marchands vend des denrées traditionnellement produites au sein de l'abbaye. Mettez-y en termes. Non. Les mines sont remplies d'or, monseigneur. Nous sommes riches. Je suis riche, salaud. Nous sommes riches. Je peux vous apprendre à maîtriser la magie blanche. Ah oui. D'abord, vous devez me prouver que je ne perds pas mon temps avec vous. Oui. Prononcez le mot Sakes Gando à la manière de l'Est. Bravo. La chance. Je ne sais pas. Là, vous mettez quelque chose d'autre et faut dire l'amour. Oui. Ah là c'est non. Faites un choix. Eh, c'est comme Tinder. Nope. Nope. Le bourreau. Le mec se marie avec le bourreau. Nope. Nope.
Nope. Nope. Et là, il y a le pigeon. Like. Voilà, je suis sorti avec le pigeon. Parfait. Ah non, je peux plus dire non à votre église par amour. L'église désapprouve, mais cela fascine le peuple. Les mecs. C'est un match. Vous et Pipin, vous indiquez que vous pèsez. Une explosion dans la mine. Oh, je dois m'épêcher. Allez. Je lis plus. Oui, continue à creuser les églises. Voilà. Parfait. Mon roi, je suis enceinte, je vais donner un fils comme une honneur. De leur. C'était pas cool. Le prêtre. Le prêtre, parce qu'il faut que j'augmente. L'incendie est en train de ravager votre château, monseigneur. Merde! Notre fils a été enlevé. Je vous en conjure, faites quelque chose. Bah oui, tiens, avec le plaisir. Il faut être prêt à tout, nous devons rencontrer plus de soldats. Oui, hop. Ouh, doucement quand même. Vous devriez créer un musée. Mais non, j'ai pas d'argent. Je suis pauvre. Un gros avec une fausse barbe et un manteau rouge donne des cadeaux à des enfants dans la rue. Bourreau. Comment avez-vous deviné? Je voulais juste donner des câlins, de l'amour et des bonbons. Tu es bizarre. J'ai fait la connaissance de mes traits. Notre pays ruiné. Merde. Bon, je suis encore mort. Et bah, c'était pas fameux. Mais on a sorti avec un pigeon. Bon, voilà, le premier gameplay. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire et je ferai d'autres épisodes. Merci et salut.